Michel. Juste. Ouais. Tu paies beaucoup d'impôts en France? Oui. Mais en Suisse? Oui, mais le problème, c'est qu'en Suisse, je comprends pas la langue. Et non, en France non plus, tu comprends pas la langue. Super. Très bien, pour revenir. Super. Génial. Magnifique. C'était superbe. Ah ben, je vais t'en faire une imitation. Oui, alors. Tu veux un café? C'est un copain qui bosse avec moi. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. C'est déjà toi. Moi je suis breton. Et lui il est valaisan avant d'être suisse. Excuse-moi, mais là, moi il me semble que t'es en train de faire l'accent du canton de Vaud là. Ça ressemble à rien au Valais, mon gars. Puis c'est le spectacle, on l'a créé par internet. Donc forcément, on était dans notre bureau avec des webcams, parce que lui il est en Suisse, moi en Bretagne. On pouvait pas se voir pour aller répéter, donc on répétait dans notre bureau. Combien vous avez fait de voix pendant le spectacle là? Alors dans le dernier medley, on a déjà 84, 86. 74. 60, oui, 74. Mais on a rajouté 76. Il traduit. C'est toujours très compliqué de discuter. Alors, est-ce que vous avez déjà essayé de vous imiter l'un l'autre? Ouais. Quel plaisir! Non mais attends. Non mais c'est quoi ces conneries? Ah oui, Pierre Hocaigne, parce qu'il est là, spécial dédicace. Oui. Alors, Zandinerie. Oh, regardez mon doigt. C'est qui ça va? Allez, reviens. Allez, hop, hop là. Oh, c'est une femelle. Allez, c'est. Ah, non mais. Pierre Hocaigne est très très connu en Suisse aussi. On a fait des revues ensemble. Et quand il le fait, c'est tellement ça. Oh, une araignée sur un miroir. Oh, une tagliatelle au saumon. Vive les Zandinerie. Oui, c'est ça. Vive les Zandinerie. Mais chérie, mais j'ai cru qu'on s'était juré fidélité. Ben, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu essayer. Attention, les bénévoles des Zandinerie ne sont pas des professionnels. Les blagues que vous allez entendre peuvent être douteuses. N'essayez en aucun cas de les refaire chez vous. Est-ce que vous savez pourquoi les souris nini? Non? Parce que les rats, gna gna. Elle est bonne quand même. Allez, rigolez. Il y a deux blondes. Il y a une qui dit à l'autre, il y a un oiseau mort. Alors, je commence par un E. Je finis par un E. Mon tout contient une lettre. C'est quoi? Une enveloppe. Alors, je commence par un... Non. Arrête. Il y a une blonde qui dit « Regarde l'oiseau qui vole, qui est noir. » Non, c'est pas ça. Oh putain, c'est pas vrai. Il dit « Regarde l'oiseau qui vole, qui est noir. » Non, c'est pas ça. Pas noir. Mort. Qui est mort. C'est une blonde dit à l'autre. C'est deux. C'est deux blondes dit à l'autre. J'en ai une qui dit à l'autre. C'est deux blondes dit à l'autre. J'en ai une. C'est deux blondes, il y en a une, dit à l'autre, regarde l'oiseau noir. Oh putain, j'étais pas loin, merde. Il y a deux blondes, il y a une qui dit à l'autre, il y a un oiseau mort. Demain
soir aux Andenneries aura lieu la deuxième partie du concours. Il reste encore quelques places en vente dans cette salle.